Bonjour, aujourd'hui dans les petits tutos du CDI, nous allons voir comment enregistrer une capsule audio. Alors, si vous avez un téléphone ou un ordinateur de marque Apple, en fait, vous pouvez utiliser Voice Memo. La qualité est très très bonne et en fait, c'est très simple d'utilisation. Donc là, par exemple, je l'ai ouvert sur mon ordinateur. Donc, j'ai juste connecté mon casque et mon micro et là, je vais commencer à parler. Donc, je vais commencer à enregistrer. Vous voyez, il faut bien que vous ayez les petites vagues pour que le son soit suffisamment important pour ça. Voice Memo sur l'ordinateur, c'est très pratique parce qu'en fait, vous pouvez modifier. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez par exemple couper un petit morceau, voilà, et puis réenregistrer à la suite. Enfin, vous pouvez faire un petit peu de montage. Vous pouvez le faire également sur votre téléphone, ça demande un peu plus de manipulation. Donc une fois que vous avez fini, en fait, vous allez avoir tous vos recordings qui vont être sauvegardés au même endroit. Donc là, vous pouvez les conserver. Et puis après, eh bien, en fait, vous pouvez les enregistrer, les envoyer par mail, les enregistrer sur votre ordinateur, etc. C'est un très bon outil, par exemple, pour lire des livres, pour faire des petites capsules où vous racontez, par exemple, des événements. C'est très simple d'utilisation et c'est d'une grande qualité. Voilà, j'espère que ça va vous servir et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux petits tutos du CDI. À bientôt!